Alors, avant que la vidéo commence, je tiens à dire que cette enquête date de il y a assez longtemps, c'était sur mon ancienne chaîne. Donc, je la réupload sur cette chaîne. Donc, allez, j'allais dire, je l'avais pas du tout analysée à l'époque. Donc, je vous invite à la regarder. Merci à tous. Est-ce que vous manifestez plus la journée ou la nuit? Est-ce que pour... Tous. Donc je vous explique. Déjà bonsoir. Donc je vous explique parce que en fait j'ai pas de réseau en dessous. Donc c'est un peu la merde. Donc on fera deux parties. Attendez, je suis juste passé à partager. Ne vous inquiétez pas, c'est les alarmes qu'on a mis. Hop. Donc après, je ferai un live de nuit ici, hein. Ne vous inquiétez pas. Enfin, quand il va faire nuit. Alors. Donc pensez à partager. Donc ne reproduisez pas ce que l'on fait. Parce que ça peut être dangereux. D'accord? Ouais, on va faire une enquête. Hop. Bon, je vais vous faire voir vite fait. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'en bas, je bug. Donc là, on installe du matos ici. Donc c'est une boule de plasma. Donc après il y a un autre étage au-dessus, vous inquiétez pas, en fait je capte ici et là-haut, vous voyez l'escalier qui monte. Donc après c'est vous qui me direz où je dois aller. D'accord? Attendez, je cherche juste ma spirit box que je sais pas où j'ai foutu. Là donc c'est soit je attendez je vais mettre comme ça soit je la mets là la spirit box je me mets la baffe donc vous allez l'entendre dans mon sac
que je me déplace, ou soit vous voulez que je laisse le téléphone quelque part et je le laisse tourner. Vous voulez que je fasse quoi? Alors, réponse A, laisser le téléphone à l'étage là, le laisser tourner. Ou réponse 2, prendre la baffe, puis me déplacer avec. En fait, en dessous, si je vais en dessous, j'aurai plus de réseau. Attendez, je vais tester, mais je vais vous le dire. Si ça bug, vous me le dites, d'accord? Que tester, hein. Si ça bug, ça ira bien. Donc là, il y a les caméras de surveillance qui est là. Salut Matt. Ah, donc ça, c'est le matos. Oui, dans stand-by. Donc pour l'instant ça bug pas. Non, ça n'a pas Ah, bugué. là je bug. Tu vois? Moi je suis. Je capte encore Donc un tu vois, signe faut ici. que. Ah voilà, c'est revenu. Vous avez vu, je vous l'ai dit. Je vais au deuxième. Vous avez vu, je vous l'ai dit. Hein. Donc maintenant on va faire le troisième. Et vous allez me dire si ça bug ou pas. Donc vous voulez que je fasse quoi? Que je laisse le téléphone tourner, que je laisse la spirit box? Moi j'aimerais bien faire ça. Donc ça c'est le troisième. Qui est là. Donc ici, je ne pense pas que ça va bugger. Donc ce que moi je vais faire, c'est que je vais laisser le téléphone dans un coin où ça bug pas. Et je vais vous mettre la spirit box. Regardez. Je vais la mettre là. Si je la mets là, vous allez voir ça. Donc si je la mets là, vous allez voir tout le couloir. Ouais, je vais vous caler là. Donc là, je vais vous caler. Je vais vous laisser tout seul, comme des gants. Et je reviens dans 10-20 minutes. Je vais vous mettre la spirit box en route. Attendez, il faut juste que... Batterie externe. Normalement, là, vous allez bien voir. Donc, dans le sac, il y a mon enceinte. Par contre, ça fait du bruit, hein. Bon, je vous laisse là et je reviens après, d'accord? Avec moi ici, donc essayez de communiquer avec cet appareil. Donc moi je vais m'en aller pour que vous parliez, d'accord?
Bon, est-ce que vous avez entendu des trucs? Bon, c'est mon deuxième téléphone, c'est pour partager aussi. On pense à le faire. Ok. Est-ce que vous voulez que je fasse une séance ou pas? Donc je vais tester. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un avec moi ici? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez attendre qu'il fasse nuit pour venir manifester ou pouvez-vous manifester de jour? De jour ou nuit? De nuit ou de jour? Attendez, je vais baisser un peu parce que c'est fort. Est-ce que vous voulez que ça soit de nuit ou de jour?
pourrais comprendre pourquoi il fait ça. Voilà. Alors, je vais répéter ma question. Est-ce que vous voulez plus que je vous parle de jour ou de nuit? Est-ce que vous êtes plus fort de jour ou de nuit? Donc, si c'est jour, vous dites jour. Si c'est nuit, vous dites nuit. Est-ce que vous manifestez plus la journée ou la nuit? Est-ce que vous pouvez répéter plusieurs fois? Là, on est trois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que la nuit se... Enfin, que le soleil se couche, que s'il fasse entièrement nuit, et ensuite je reprendrai un live, d'accord? C'est un balayage de fréquence, Lorenzo. Donc je ne sais pas ce que vous avez entendu, moi j'écouterai quand je ferai la rediff. Une nuit, ça a dit. Bon, on verra bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que la nuit se couche et je vais rejoindre l'autre équipe sur son live et après on fera les autres étages, d'accord? Allez. À tout de suite. Hein? Maman? Non? Est-ce que vous avez dit maman? On ne veut pas vous embêter. On veut juste parler avec vous. Hein? On veut juste vous poser quelques questions et après on vous laissera. S'il vous plaît. Dites Marjorie, s'il vous plaît. Non, il n'y a plus pas de sens. Teneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler avec nous, s'il vous plaît? Dites oui, s'il vous plaît. Parti, moi. Il est parti. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez dit qu'on est parti de partout?
Rassurez-vous, dites oui, s'il vous plaît. Dis-lui que tu peux jouer avec le détecteur de mouvement aussi, là. Vous pouvez. Il y a un détecteur de mouvement, vous pouvez jouer aussi avec. Vous avez juste à passer devant. Oh ben, non, c'est peut-être Mathieu. C'est moi. C'est peut-être Mathieu. Ouais. C'est Mathieu, alors. Vous pouvez l'éteindre aussi, si vous voulez. Vous avez juste à le toucher. On vous veut aucun mal, on veut juste parler avec vous. N'ayez pas peur. Est-ce que vous pouvez rallumer le détecteur de mouvement, s'il vous plaît? Il vient de s'éteindre, la lumière vient de s'éteindre, est-ce que vous pouvez le rallumer? Vous avez juste à passer devant. Ou alors dites le nom de Marjorie, si vous êtes bien là, présent avec nous. Ou alors allumez le détecteur de lumière, de mouvement, qui se trouve sur le piano. N'ayez pas peur, ça ne vous fera aucun mal. Le bruit que vous entendez, c'est le Spirit Box, c'est le seul moyen pour nous que l'on a de pouvoir vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui souhaiterait parler avec nous, s'il vous plaît? C'est moi, la lumière. Hein? Ouais, tu vas avoir des tics de plus. On va faire un jeu. Enfin, c'est pas un jeu, mais peut-être que vous arriverez peut-être mieux à le faire. Bon, merci, bien. Thank you.
C'est le jeu du papier. Vous avez juste à le toucher et à le faire tourner. On sait déjà qu'il y a du vent. Ouais. Voilà. On ne pourra pas nous dire qu'il y a de courant d'air ou pas. Hein. On va juste vous demander à vous ou s'il y a quelqu'un d'autre avec vous de juste le faire tourner, s'il vous plaît. Merci. N'ayez pas peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Faites tourner le papier pour nous dire oui ou non. S'il y a du monde présent avec nous, pouvez-vous faire tourner ce papier, s'il vous plaît? Salut Matt. Portable. Hein? Portable. Portable. Est-ce que vous connaissez l'existence des téléphones portables? Répondez pas oui ou non, vous faites bouger le papier. Le papier il bouge. Le papier vient de tourner tous. Il a bougé un peu. Est-ce que vous pouvez faire bouger le papier vers moi, s'il vous plaît? Oui. Oui. N'ayez pas peur, monsieur. Allez-y. S'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui jouez avec le détecteur de mouvement? Est-ce que vous pouvez toucher le papier, s'il vous plaît, le faire venir vers moi, s'il vous plaît? Quand vous touchez, vous poussez un petit peu. Bon, c'était peut-être un petit courant d'air, c'est vrai. Oui. Peut-être en dessous, je crois, je me mets pas de poil. N'ayez pas peur, ça vous fera aucun mal. C'est juste une feuille de papier. Est-ce que vous avez peur de nous? Ou est-ce qu'on vous empêche de nous parler?
Où est-ce qu'on vous dérange? On va faire. Ça vous fera peut-être un peu moins peur si vous avez peur du bruit de la spirit box. On va faire. On va vous poser des questions et on va enregistrer. C'est pareil. C'est un enregistreur numérique. Vous pourrez parler, on vous entendra. Ah, excuse-moi. Ouais, si tu mets, Non, mais j'ai tiré tout à l'heure. Voilà. Ouais. Ah, t'as mis des flashs à tout le monde. Désolé. T'as pas vu. Marjorie va vous poser des questions. Elle vous laissera une minute entre chaque question, à peine une minute. Et surtout, n'ayez pas peur de parler haut et fort. Première séance PVE, chambre, à blanc. Bonsoir, je m'appelle Marjorie et j'aurais voulu savoir comment vous vous appelez, s'il vous plaît. J'aurais voulu savoir aussi combien de personnes, êtes-vous dans ce château, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire si vous avez vécu dans ce château ou si vous y avez travaillé, s'il vous plaît ? En quelle année avez-vous habité ce château, s'il vous plaît ? Est-ce qu'il y aurait un endroit dans ce château, dans ce lieu, où vous voudriez qu'on aille ? Pour justement parler avec vous. Et est-ce que la présence de personnes comme nous vous dérange, vous ennuie?
Oui. Non, je... Si vous avez eu des enfants, combien en avez-vous eu, s'il vous plaît? Et combien de vos enfants ont vécu en étant propriétaire de ce château, s'il vous plaît? Jusqu'à quand votre famille a-t-il eu possession de ce château, s'il vous plaît? Poser une question maintenant. Non, je te laisse. Attends, je réponds vite à Vini Eternity. Ben, on appelle ça un PVE blanc, en fait, et enregistré, on enregistre, on pose des questions, on enregistre, et on va écouter ensemble après s'il y a des réponses. Un PVE blanc, ça s'appelle. Avec un enregistreur numérique, bien évidemment. Et on vous remercie d'avoir répondu à nos questions, si vous nous avez bien répondu. Merci. Par rapport à mon live, dont les personnes qui s'amusent à marquer des trucs un peu pourris, je vous banne définitivement. Enfin, vous connaissez, hein. Quoi ça? Oh, parce qu'il y en a toujours. Ouais, non, bah ouais, bah, tu les vires. Quel assez incroyable quand même quoi. On peut pas être tranquille. Là. Donc alors on va écouter s'il y a quelque chose. Peut-être qu'il n'y aura rien. Hein. Si j'arrive à trouver le trou. Ouais, c'est vrai, j'y pense pas. Hein. C'est un enregistreur numérique. En gros, on a posé des questions, puis on va savoir les réponses. S'il y en a. S'il y en a. S'il y en a. Peut-être qu'il y aura rien. Peut-être qu'il y aura rien, généralement, d'accord. Ça vaut quelque chose. Première séance PVE, chambre. À blanc. Bonsoir, je m'appelle Marjorie. Et j'aurais voulu savoir comment vous vous appelez, s'il vous plaît. J'aurais voulu savoir aussi combien de personnes, pardon, êtes-vous dans ce château, s'il vous plaît. Pouvez-vous me dire si vous avez vécu dans ce château ou si vous y avez travaillé, s'il vous plaît? Bon, ça c'est nous. En quelle année avez-vous habité ce château, s'il vous plaît?
Est-ce qu'il y aurait un endroit dans ce château, dans ce lieu, où vous voudriez qu'on aille pour justement parler avec vous? Et est-ce que la présence de personnes comme vous vous dérange, vous ennuie? Combien de vos enfants ont vécu en étant propriétaires de ce château, s'il vous plaît? Jusqu'à quand votre famille a-t-il eu possession de ce château, s'il vous plaît? C'est ce qu'on appelle un PVE blanc, où il n'y a rien dessus. En plus, là, on est un petit peu gêné avec le groupe électrogène. Donc, moi, ce que je propose, c'est on va changer d'endroit, de pièce. Tu prends le papier? Il faut être patient, oui. J'ai vu tout à l'heure... qu'on marquait faut de la patience, c'est trop tôt. Après, bon, il n'y a pas d'heure pour les phénomènes. Pour avoir des phénomènes, on peut en avoir la journée aussi. Hein. Bah, tu es d'accord avec moi. Hein. Après, c'est une question de patience. Il y a des moments où il n'y aura rien du tout. Donc, là, regardez, ça fait un peu plus de 40 minutes où on a essayé. Bah, il n'y a rien, mais... Ça veut rien dire que dans peu de temps, il y aura quelque chose. Hein. Hein? Ouais. Ça va être bientôt les bons moments. Hop. On va aller juste surveiller un petit peu vite fait les caméras de surveillance. On va attendre un petit peu. La patience. On va remettre ça. Surveille si le détecteur de mouvement essaie pas allumé. On sait jamais.